Non, mais déjà, comme dirait Blanche Gardin sur Polanski, enfin, il y a ce truc-là de dissocier le réalisateur du criminel. Enfin, on n'aurait pas dit ça du boulanger. S'il y avait votre boulanger dans votre coin qui était pédophile et qui avait violé une enfant, vous ne direz pas, bon, on va quand même acheter parce que la baguette, elle est bonne là-bas. Et à un moment donné, je pense que c'est pareil. C'est qu'il a un traitement de faveur parce que c'est un réalisateur et qu'il est dans un milieu très fermé, dans un milieu dans lequel les gens, ils sont obligés un peu de fermer leur gueule pour pouvoir avancer. Et c'est ça le problème. Notamment Nicolas Bedos, à la fin, il sort une phrase à 2 francs 6 sous, je vais laisser mon droit de homme de mâle blanc. Il a fait le bouffon sur le coup, c'est-à-dire qu'il n'a pas osé critiquer ni se positionner.